puis comme tu peux le voir, Jules, il a mis cette publication dans sa story et Instagram. J'arrête de parler, je parle un peu trop, c'est un truc de ouf. Le soir elle me prend la tête, le matin je me lève en balle. Beretta sous le véranda, négro je finis loin, je la veille. Oh, je me resserre du sandal. Avec elle c'est pas la même. Non, je ne la peux frapper ma caisse. Est-ce qu'il tentait le sang? On se revoit plus ni. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu et cette fois-ci on va parler de Jules. Plus de ça, je la fais debout, je la fais pas assis, comme ça, ça change un petit peu. Un peu plus dynamique et moi j'ai un peu moins de kyste au cul, t'as compris ou pas le délire? En gros, je t'explique, pour ceux qui sont pas encore au courant, il y a Jules qui a donné un concert il y a pas longtemps à U Arena. En gros, un peu parti en couille du fait qu'il y a là les supporters d'un match de foot qui sont rentrés dans U Arena, qui ont fracassé des fans de Jude, etc. Tu vois, qui sont rentrés carrément dans le concert et qui ont tapé des gens du concert. C'est vraiment parti en vrille, tu vois. J'arrive pas à comprendre ces gens-là, tu vois. Tu viens à un match de foot pour être dans une bonne ambiance, tu finis dans un concert en train de fracasser des gens. Je comprends pas le délire des hooligans. Franchement, vous êtes vraiment parti en couille. En plus de ça, Jude, il a rien demandé, tu vois. Il fait simplement de la musique. Pas comme si dans sa musique, il revendique des trucs de ouf comparé à certains rappeurs. Donc franchement, je comprends pas le but. Ensuite, il a même réagi lui-même sur Instagram avec un petit message qui était vraiment touchant et je me suis dit pourquoi pas la mettre dans cette vidéo vu que je vous parle de ça et que je viens de tomber sur ça il y a quelques minutes au moment où je vous passais le passage de Jules. Donc voilà, bref, j'arrête de parler, je parle un peu trop, c'est un truc de ouf. Et puis comme tu peux le voir, Jules il a mis cette publication dans sa story et Instagram et il a mis « Déçu pour hier, normalement on était tous ensemble et je m'excuse encore pour les gens qui n'ont pas pu voir le concert ou qui se sont fait frapper. Hashtag surtout que ça ne sert à rien, je fais que de la musique les gars. » Trois petits points. Ça se voit qu'il est vraiment choqué Jules. Oh là là. On se fait vieux, c'est un truc... Oh, oh bah bref, en fin de compte, tu vois, je voulais juste réagir par rapport à la réaction de Jules. Je trouve qu'elle est assez mature de sa part. Même lui, il était choqué, tu vois, ça se voit dit dans sa réaction qu'il est choqué lui-même. Ce qui s'est passé à son concert, il s'y attendait pas. Tu vois, tu t'attends pas à ce qu'il y a une horde de hooligans qui arrive à ton concert au moment où t'es sur scène devant tes fans en train de chanter. T'attends pas du tout à ça. Franchement, c'est un truc de ouf. J'espère vraiment qu'ils vont choper des personnes qui ont frappé des gens, qui ont blessé des gens. Grosse force à toutes les familles qui ont été touchées par rapport à ça. Les gens qui ont fait... Vraiment, plus sérieusement, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Et vraiment, gros source à toutes les familles, tu vois. Toutes les familles des victimes qui se sont fait frapper, ceux qui sont blessés, etc. Et même les personnes qui ont été choquées, puisqu'il y a plein de personnes qui sont choquées par rapport à ça. Qu'ils ont peur d'aller en concert, justement, parce qu'ils ont peur des regroupements et des choses comme ça. Et justement, là, il y a des gens qui ont peut-être surmonté leur peur en allant à ce concert de Jules, tu vois. Et qui, ben maintenant, à mon avis, iront plus jamais en concert à cause des gens comme ça. Bref, vous m'avez compris, j'espère, en tout cas. Moi, je me suis compris. Mais vraiment, à tenir à passer un petit message par rapport à ça, tu vois. On a appris un décès à Sevran, le décès de Olivier Tony. Et je tenais à donner toutes mes condoléances à la famille. Grosse force à tous les proches de la victime. Vous avez fait une vidéo par rapport à ça justement pour essayer de retrouver le corps. Il est supprimé par la suite puisque le corps il a été retrouvé. Donc je vois pas pourquoi je laisserai ma vidéo en ligne. Parce que c'était simplement pour essayer de retrouver le jeune, et le jeune il a été retrouvé, donc voilà pourquoi j'ai supprimé ma vidéo. Les personnes qui continuent à retransmettre, etc., la vidéo jeune en train de se faire lyncher, franchement j'espère qu'il va vous arriver exactement la même chose. Que retransmettre ce genre de choses, c'est pas humain, tu vois. Encore que t'es là, tu retransmets des sextapes, des trucs comme ça, ok c'est bon, c'est pardonnable, c'est que des sextapes, y a pas mort d'homme. Mais là y a mort d'homme les gars.
Il y a mort d'homme et dans des atroces souffrances. Donc franchement, moi, je peux pas accepter ça et je tenais vraiment à faire passer ce message par rapport à ça. Arrêtez de circuler cette vidéo. Supprimez-la de votre portable une bonne fois pour toutes. Je sais même pas comment vous pouvez avoir ça dans votre portable. C'est un truc de ouf, la vie de ma mère. Voilà, je tenais vraiment à faire passer un petit message par rapport à ça et donner toute ma force aux proches ainsi qu'aux amis, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont choquées à ce rang de ce qui s'est passé au jeune Tony Olivier. Voilà, je tenais vraiment à donner toute ma force par rapport à ça. Et en plus, ben, j'étais obligé de le faire puisque je vous avais fait une vidéo sur cette histoire. Je l'ai suivi de A à Z comme si c'était un de mes proches, alors que je suis vraiment à des kilomètres de chez lui, tu vois, loin. Mais je tenais vraiment à suivre cette histoire, tu vois, parce qu'elle m'avait vraiment touché. Passer quelque chose comme ça pour mon cousin ou pour mon frère ou pour n'importe qui, si se passe quelque chose comme ça, j'espère vraiment qu'il y aurait le même engouement, tu vois, que les personnes essayent de le retrouver, etc. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Si jamais t'as aimé la vidéo, debout, etc., avec le petit ambiance, tu vois, je peux bouger. Tu me dis dans les commentaires, tu me lâches un petit pouce bleu, ça c'est pour le soutien et le référencement, comme d'habitude. Tu peux le voir, j'ai mis mon petit trophée derrière. Je sais pas si tu trouves ça stylé. Je vais baisser un petit peu la caméra, mais si je baisse la caméra, je dois parler comme ça. Tu vois, un petit peu baisser. Bon, c'est pas grave. Bref, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci à ceux qui mettront un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce qu'ils en pensent justement de la vidéo de debout, du dynamisme, etc., de tout ce que je vous ai dit dans la vidéo par rapport à Jules, par rapport aux jeunes de Sevran, etc. Dites-moi tout dans les commentaires, on peut en débattre, c'est fait pour ça les commentaires. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Peace les gars. J'arrête de parler, je parle un peu trop, c'est un truc de ouf. Dans la ville à 20 à l'heure, le tel est éteint, rappelle ta l'heure. J'suis pas d'humeur à faire des blagues, j'suis pas du genre à faire le bandeur. Une poignée de main chez nous vaut 42. J'traîne avec des personnes qui ont la quarantaine. Mon avenir bloqué entre parenthèses, c'est la vie de rêve ou la vie que je mène. Sur la moto j'ai traîné, kaki et le treillis. Toute la journée c'était pour foncer sur le steady. Raconte pas de bêtises, j'ai pas quitté le pays de ma mère. Faut que le bif on amène, c'est pas ce qu'il y a dans nos têtes. Frère, on a pas la même mère, mais on a connu ensemble la misère. J'en passe le sort, faut que tu te fasses une raison. J'fais le tour de la vie, j'fais trop compter à ça. J'en confie, il écrase, mon l'éclate pas chez Colette. Le diable s'habille en Prada, les jeans chez Disquaret. On me dit c'est pour quand le prochain scud, j'ai de la selle à faire disparaître. Donc tu patientes, tu fermes ta gueule. Comme quand ta pute s'apprête, le procureur veut me voir au trou. Mon avocat est chaud, le président nous cherche des poux. Mon avocat est chaud. Donne sa mère, ouais, cette folle me les casse, ouais. Cocktail Mojito, cette fois j'ai du casque. Pas si fort, nous trouvions l'équipe d'en face. Faire c'est l'eau sur c'est l'eau, j'équilibre les parmes. Tony, je veux l'audit, j'ai le gardi. Sur toi, je tire sa matrice, mais bon, c'est la testi. Sous cocher, j'ai rouge comme Kakashi. Les bleus, ils sont cachés, donc gauche là, y'a plus de couilles. Y'a rien à faire, non. Fais les bons bails au bon moment. Quand t'as déconné, t'as mis ton nez où fallait pas. Là, tu te sens bizarre, mais ça rend pas inarrêtable. Y'a rien à faire, non. Bizarre mais ça rend pas une arrêtable. Tu rates la rue, ta mère, toi t'as jamais rien à faire à part de dire, oh t'es car les portes viennent.